Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%, aujourd'hui dans l'émission. La critique de Batman Arkham Origins, Metal, Missile et Plastic Gun et Auto, mais on commence avec les news. Sonic Dash, un endless runner dans l'univers du hérisson le plus rapide de l'histoire du jeu vidéo, est disponible depuis plusieurs mois sur terminaux iOS. Tu vas voir! À l'occasion de la sortie de Sonic Lost World, dont vous avez pu voir la critique récemment dans 101%, le jeu, basé sur un modèle free-to-play, s'offre une mise à jour, disponible pour une durée limitée, qui vous permettra de combattre un boss, Zaz, l'un des effroyables 6. Membre du groupuscule d'insurgés contre le Dr Eggman, présent sur le dernier épisode en date des aventures du hérisson. Initiative sympathique, même si les achats in-game proposés par le jeu n'ont pas l'air donnés quand même. Méfiance donc! Le premier DLC de Muramasa Rebirth, le récent portage du jeu de Vanillaware sur PS Vita, a été dévoilé il y a quelques jours via un superbe trailer. Celui-ci met en scène un Bakeneko, un chat métamorphe, qui partira dans une quête vengeresse pour apaiser l'âme tourmentée de son maître. Yokai en pagaille, musique à la flûte traditionnelle super rythmée, direction artistique comme toujours sublime, ça assure. Durant les combats, le chat maléfique pourra se transformer en pleine action, voilà qui donne envie. Le DLC est prévu sur Vita japonaise à partir du 7 novembre. Pour pouvoir s'essayer aux 4 personnages et aux 4 nouveaux contes qu'offre ce premier chapitre annexe sous-titré Genloku Kaikitan ou Contes étranges de l'ère Genloku, il faudra attendre début 2014 chez nous. L'éditeur Axis Games a en effet annoncé très rapidement qu'il comptait bien distribuer ce contenu supplémentaire. Un second DLC proposant de nouvelles armes et des boss inédits entre autres devrait également être disponible dans peu de temps. Super Heroine Chronicle. Tous ceux qui ont déjà touché à un super robot Tyson savent à quel point ce mélange un peu foutraque peut déborder d'amour, de fanservice et d'amour du fanservice. Mais il manquait quelque chose, une idée qui n'avait pas encore été exploitée, et heureusement, Banpresto est là pour y remédier avec Super Heroine Chronicle. Il ne faudra probablement pas être trop exigeant au niveau de la cohérence scénaristique durant ce jeu de stratégie au tour par tour. Il faut savoir se contenter de choses simples parfois, comme pouvoir faire combattre ensemble les héroïnes tirées de séries aussi diverses que Digi Karat, Simfogir, Zero no Tsukaima, retrouver les héroïnes de Higurashi no Nakukoroni dont Mion et Shion et son tristement célèbre Taser, ou encore l'héroïne de Kyoso Giga, une OAV fort sympathique produite par Toei Animation et Bandai. Possibilité de combo entre les personnages qui peuvent tirer parti des affinités entre les héroïnes, éléments de gameplay empruntés au rhythm game ou aux simulations de drague, le jeu a l'air d'être un joyeux bazar. On y retrouvera bien sûr les célèbres cutscenes à la Robo Tyson quand vous déclenchez une attaque spéciale. Mais cette fois, elles iront dans la démesure kawaii ou le complètement invraisemblable. Comme cette maid qui renverse sa théière sur ses ennemis, ou une attaque à base de cookies en forme de chat. Prévu pour le 6 février 2014 sur PS3 et Vita, a priori uniquement japonaise, le jeu a, comme d'habitude, peu de chances de sortir des frontières de l'archipel. Ce qui n'empêchera pas certains d'entre vous de se lancer dans l'aventure. Allez, avouez. PlayStation 3, PlayStation Vita et Soft, Super Heroine Chronicle. Aujourd'hui, nous allons parler de Batman, le chevalier noir, le gardien de Gotham, le mec à la grosse voiture. Le gars avec une ceinture couteau suisse avec des couteaux suisses dedans. C'est assez fou de se rendre compte que ce personnage est devenu légendaire alors qu'il n'est qu'une copie de Zorro. Bon, c'est vrai que la Batmobile est quand même plus classe que son cheval Tornado. C'est vrai. Bon, puis en plus son majordome à Batman, il est plus fort que le majordome de Don Diego. Parce que lui, il peut parler. Imaginez Alfred, muet, arrivé dans le bureau de Bruce Wayne. Quoi? Une meuf avec des grenichons? On regarde la critique de Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins est un cas d'école. Un jeu attendu mais suspect, puisqu'il s'inscrit dans une série que l'on peut aujourd'hui considérer comme culte. Après les fabuleux volets Asylum et City, mais dont le développement fut assuré par un nouveau studio. Un nouveau studio donc, en l'occurrence Warner Bros. Games Montréal, dont il s'agit, qui plus est, du premier jeu, si l'on nommait la conversion Wii U de Arkham City. On parlait de cas d'école dans le sens sujet d'étude. Est-ce qu'une série privée de ses géniteurs perd nécessairement ses ailes? À quelques exceptions prêtes, le bilan n'est guère positif. D'où une inquiétude tenace des fans de la nouvelle saga Batman.
Une inquiétude encore renforcée par le sentiment que ce Batman Arkham Origins est avant tout une opportunité commerciale pour Warner Bros. Interactive, un titre bouche-trou en attendant le prochain jeu des studios Rocksteady. La fin d'année et les périodes de fêtes associées sont en effet le moment où les gros éditeurs sortent leurs blockbusters, leurs poules aux œufs d'or. Call of Duty et Skylanders chez Activision, Battlefield et Need for Speed chez EA, Assassin's Creed et Just Dance chez Ubi, Mario et Zelda chez Nintendo. On schématise bien sûr, mais les faits sont là. Warner, à défaut d'autres licences majeures, mis à part les Lego quelque chose, cette année Lego Marvel Super Heroes, se devait de sortir un nouveau Batman. La contrainte est dans le meilleur des cas un excellent moteur de créativité, et dans le pire, l'assurance de courir à l'échec ou tout du moins de décevoir. On dirait que la partie est finie avant d'avoir commencé. Je ne suis pas très joueur, Slade. Le fameux scénariste Paul Dini, qui a travaillé avec Rocksteady Studios sur Arkham Asylum et Arkham City, n'a pas rempli les pots Origins. L'histoire a donc été confiée à Corey May et à Duma Wencher, qui ont fondé leur boîte en 2001, Secret Agents Productions, pour contribuer à l'écriture de nombreux jeux développés au sein d'Ubisoft Montréal, et tout particulièrement aux séries Prince of Persia et Assassin's Creed. L'angle choisi pour ce troisième Arkham fut celui de la préquelle. Origins nous propose d'incarner un Batman plus rugueux, plus brut de décoffrage. Il n'est définitivement pas sur la même longueur d'onde qu'Alfred, qui ne cautionne ni ses méthodes, ni sa stratégie. Il n'est pas le pote secret de Gordon, et aucun signal de détresse en forme de chauve-souris ne vient encore illuminer les nuits de Gotham. Et il n'a jamais rencontré le Joker. En fait, de nombreuses personnes doutent de son existence et il fait encore figure de légende urbaine. Batman est une légende, un point c'est tout. Batman est seul et cela lui convient tout à fait. Y compris en cette nuit de Noël où le Black Mask, alias Roman Sionis, l'un des plus gros parrains de la ville, a lâché à ses trousses 8 assassins hors pair, tels que Killer Croc, Deathstroke, Firefly, Electro Cautioner, Copperhead, Bane ou encore Deadshot. Ce sont des tueurs à gages, les meilleurs dans ce domaine. Black Mask a fait les choses en grand. Sa tête est mise à prix pour 50 millions de dollars, et c'est désormais avec une énorme cible dans le dos qu'il traversera la ville à l'aide de son grappin. Tout le monde veut sa peau, y compris les flics et les gangs. En cette nuit de Noël, Gotham est recouverte d'une fine couche de neige qui ne tardera pas à porter les marques ensanglantées du passage de Batman. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Je vais découvrir qui commandait ce drone. Je vais l'obliger à parler. Ensuite, j'irai rendre visite à Black Mask pour mettre fin à tout ça. Tous ceux qui ont joué à Arkham City retrouveront leur marque en quelques secondes. On dirige Batman dans un Gotham City open world truffé d'objectifs secondaires. Ces derniers peuvent être classés dans 4 catégories. Les combats que l'on peut provoquer aléatoirement ou en répondant aux appels captés sur la fréquence de la police. À toutes les unités, si vous êtes en 10, merci de signaler pour une éventuelle mission. Les puzzles d'énigmas avec des données à la clé. Les objets à détruire comme les caisses d'armes du pingouin, les relais réseau d'énigmas ou encore la drogue de Black Mask. Ainsi que les mini-défis scénarisés, comme les bombes d'anarchie à désamorcer ou les enquêtes secondaires à mener à l'aide du mode détective. La ville étant plus grande que celle d'Arkham City, ses objectifs sont un peu plus éparpillés. Mais une nouvelle fois, le contenu proposé est conséquent et assure au jeu une bonne durée de vie. Mais lâche-moi ! Lâche-moi, merde ! Chaque action du joueur est décryptée et lui permet de gagner régulièrement des points d'expérience. Le moindre combat sera ainsi noté avec l'obtention d'un rang S, A, B, C ou D. Il faudra donc veiller à varier ses attaques, utiliser ses gadgets et maintenir le plus haut niveau de combo hits sans se faire toucher. Et bien évidemment, coups et esquives doivent être enchaînés de manière fluide, en rythme, sans temps mort ni faux mouvement, afin d'entrer en mode concentration à partir du 12e coup enchaîné, ce qui augmente la vitesse de déplacement de Batman. Toujours aussi profond, le système de combat repose en grande partie sur le contre, avec des QTE apparaissant à l'écran pour indiquer quel ennemi s'apprête à frapper le joueur. Mais on ne peut guère résumer ces contres à des QTE, ces derniers nécessitant un sens de l'observation et du rythme, avec en plus la possibilité de réaliser des contres critiques. On lui bat le cul, viens d'ici ! De nouveaux types d'ennemis font leur apparition, comme des colosses en armure à étourdir à l'aide de sa cape, et des spécialistes en arts martiaux, qui nécessiteront un sens du contre assez aigu. On notera aussi l'apparition de gants électriques, qui viendront faciliter les combats tout en renforçant leur impact. Outre les défis de la campagne solo, la Batcave donne également accès à de nombreux entraînements avec objectifs et handicaps facultatifs.
Loin d'être anecdotique, ces derniers servent à maîtriser le système de combat, mais aussi ses compétences prédateurs, tout en permettant aux joueurs d'engranger une nouvelle fois des points d'expérience. Les XP, essentiels pour débloquer de nouveaux mouvements et gadgets dans les deux arbres de compétences proposés, combat rapproché et prédateur invisible, peuvent être gagnés de multiples façons. Mis à part celles déjà citées, il faudra prêter attention au système Chevalier Noir, identifiant des mini-challenges bonus propres à quatre types de gameplay. Le combat, le vol, l'élimination et la récupération de données. Arkham Origins, comme City et Asylum, permet aux joueurs d'appréhender certaines situations à la manière d'un Sam Fisher, c'est-à-dire en mode infiltration. On pourra ainsi éliminer tous les gardes armés patrouillant dans une salle à l'aide de ses gadgets et des éléments du décor. Cette approche prédateur est enrichie par l'apparition de la Remote Claw, qui permet de relier deux points d'ancrage à l'aide d'un filin sur lequel Batman pourra se déplacer. Ce nouveau grappin permet aussi de suspendre quelques ennemis dans les airs, de leur balancer un objet du décor en pleine face ou carrément de les relier à un autre ennemi pour qu'ils s'entrechoquent et restent étourdis quelques secondes. Enfin, l'une des dernières grosses nouveautés du mode solo de ce Batman Arkham Origins est l'apparition de points de fast travel à débloquer qui permettront d'utiliser le Batwing pour se déplacer rapidement et automatiquement d'un point à l'autre de la ville. Si on parle de mode solo, c'est évidemment parce qu'un mode multi a fait son apparition. Ce dernier nécessite la création d'un compte WBID, soit un identifiant Warner Bros. Que l'on obtiendra gratuitement. De nombreuses vidéos tutoriels permettent de se familiariser avec les possibilités de ce mode multi créé par le studio Splash Damage. 8 joueurs s'affronteront sur plusieurs maps dans 3 camps différents. 3 joueurs intégreront le camp de Bane, 3 autres celui du Joker, et enfin, 2 joueurs incarneront Batman et Robin. Les hommes de Bane ont pris une longueur d'avance. Si nos deux super-héros pourront utiliser leurs gadgets et leurs grappins, les gangs, eux, se déplaceront au sol, armés de fusils d'assaut et de grenades. Plus un camp enchaîne les kills, plus il verra sa jauge d'intimidation monter, ce qui lui donnera accès à des capacités bonus. Les gangs de Bane et du Joker pourront ainsi faire appel aux deux super-vilains, bien plus puissants et dotés d'armes spéciales. Le camp de chaque joueur sera déterminé par une roue, lancée à chaque nouvelle partie. Si l'idée est réellement sympa sur le papier, dans les faits, ce mode multijoueur s'avère franchement brouillon et se rapproche finalement d'un TPS classique, qui plus est affecté de ralentissements fréquents. Et ça n'annonce rien de bon pour vous. Black Mask, il a mis ma tête à prix. Où est-ce qu'il est ? Je surveille pas tous les tarés surexcités. T'es pas très populaire dans cette ville. Soyons clairs, Batman Arkham Origins n'est pas au niveau de son prédécesseur. Non seulement il n'apporte pas grand-chose en termes de gameplay à Arkham City, mais en plus il s'avère moins bien rythmé et souffre de lacunes techniques importantes. Les bugs sont nombreux, avec un Batman disparaissant dans les décors, des freezes assez fréquents, voire des plantages nécessitant d'éteindre et de rallumer sa console. Mais le pire, ce sont ces ralentissements majeurs qui viennent régulièrement perturber l'expérience open world du joueur. Ce Batman est clairement une version 1.5 de Arkham City, un copier-coller moins épique, moins surprenant aussi. Ceux qui ont terminé et apprécié comme nous le précédent volet auront souvent l'impression de refaire les mêmes défis, le même jeu, mais en moins bien. Pas de problème. Pas de problème, mec. Il manque à ce titre ce petit supplément d'âme qui fait la différence. À l'exception du Joker, qui fera une apparition remarquable, les ennemis croisés ne sont guère mis en avant. Et on regrette assez vite les Mr. Freeze, Catwoman et autres Harley Quinn, tandis que le Pingouin, par exemple, déçoit énormément. Qu'est-ce que tu vas dire, tu perds ? La ville elle-même n'est pas aussi bien conçue. Plus vaste, elle perd en personnalité, et le pont central reliant les deux îles majeures est un cauchemar à franchir, cette zone souffrant tout particulièrement des ralentissements suspensionnés. Ce pont est long, je dois utiliser l'accélérateur de grappin. Les mini-quêtes semblent parfois un peu forcées lorsqu'elles ne sont pas totalement inintéressantes. Quant au nouveau mode multi, il a peu de chances de réunir une forte communauté de joueurs et risque de tomber assez vite dans l'oubli. Pourtant, Arkham City fut pour Warner Bros. Games Montréal une base suffisamment solide pour que cette suite ne sombre pas totalement. On retrouve avec plaisir certaines des sensations proposées dans le volet précédent, comme un système de combat très prenant ainsi que des gadgets nombreux. Et sa durée de vie assez conséquente devrait satisfaire les fans hardcore du Dark Knight. Les phases d'infiltration, en revanche, ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles proposées dans Arkham City, à l'exception d'un gadget supplémentaire, la Remote Claw. Comme vous pouvez le voir, il est très difficile de mettre en avant une qualité sans lui associer un défaut. Batman Arkham Origins, sans être un mauvais jeu, est une suite très décevante.
Est-ce que vous saviez que Bob Kane, le créateur de Batman, n'avait pas que des bonnes idées? Il a voulu créer un super-héros pour faire la pige à Superman, hein, parce que ça marchait grave, Superman, donc il s'est dit, je vais créer un truc, j'ai une idée, il va voler et tout, et il va s'appeler Birdman. Bon, ce qui explique un petit peu que l'assistant de Batman, c'est un rouge-gorge, Robin, d'accord? Après, il est revenu sur le truc, donc le mec, il vole plus, il s'appelle pas Birdman, il s'appelle Batman, d'accord? Donc il a beaucoup copié Zorro. Et vu qu'il copiait vraiment Zorro, au départ, Batman, il avait juste un loup, d'accord? Tête nue avec un loup, et des collants rouges. C'est son assistant, Bill Finger, qui a eu toutes les bonnes idées sur le personnage, et même sur les ennemis. Mais ça, on ne le sait pas. Et il a eu l'idée de lui mettre une cagoule et des gants. Imaginez aujourd'hui, au cinéma, Christian Bale, avec un loup, des collants rouges, en train de parler avec une voix rauque. Et tout de suite, on regarde Metal Missile Plastic Gun. Je vais mettre des ballerines. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, on va continuer dans le Macross, ça peut pas nous faire de mal, avec SDF1, Super Dimensional Fortress 1. Voici la boîte, comme d'habitude, qui présente à l'arrière la méthode de transformation. C'est assez rare que ça soit à l'extérieur, mais c'est pas mal. Des vues sur le côté, et puis des spécifications techniques qui sont sympas et amusantes parce que... On s'aperçoit ici que la longueur totale du SDF1, c'est 1200 mètres. C'est pas grand chose, et pourtant il y a une ville à l'intérieur, il y a 70 000 personnes à l'intérieur. On se demande comment tout ça tient dedans. Et ben maintenant on va ouvrir la boîte, hein, parce que elle est venue là pour ça. Ouverture. Voilà, une présentation un peu plus sommaire, mais bon... conséquente quand même. Je situerai la sortie du jouet entre 1982 et 1985, puisque je crois savoir que la sortie japonaise de Macross s'est située en 82 et qu'ensuite la série a été vendue et a essaimé un peu dans tous les pays du monde. Il est fort possible qu'on l'ait eu dans les derniers, un peu comme d'habitude, mais grâce à la 5, qu'elle soit remerciée. Voilà, je vais sortir la bête, comme le veut la formule consacrée. Donc, dans un premier temps, le SDF1 est stocké sous une forme imparfaite de Storm Construction Attacker, c'est-à-dire ceci. Quand le SDF1 s'écroule sur l'île de Macross dans le Pacifique Sud, il est en forme de vaisseau. Alors, je vais donc le mettre en forme de vaisseau immédiatement. Hop. Une fois de plus, une two-time transformation, vous pouvez constater que ça se fait très très vite et... c'est appréciable. Vous écartez la tour de contrôle du radar principal. Et voilà. Alors une petite spécification à la fois scénaristique et technique, c'est que lorsque le SDF1 s'écrase sur Terre, il est sous cette forme-ci. Au premier stade, il ne possède pas le Prometheus et le Dédalus, qui en fait sont des bâtiments créés par les humains, qui ensuite lui seront rattachés et lui serviront de bras. Pour échapper aux Entradi, le SDF1 tente de décoller avec ses moteurs anti-gravité qui décollent, mais pas le SDF1, donc ils sortent de la carlingue du SDF1 et s'en vont tout seuls dans l'espace. Et ensuite, pour échapper au vaisseau de Vritaille, ils tentent ce qu'on appelle un space fold, c'est-à-dire une téléportation qui était censée les amener aux alentours de la Lune, mais comme on ne maîtrise pas encore la robotechnologie totalement, ils se retrouvent à côté de Pluton en fait. En se téléportant, le Space Fold emmène une bonne partie de l'île de Macross, donc Macross City, les 70 000 habitants qui vivent dans Macross City, un peu de mer, et sur cette mer, bien sûr, il y avait le Prometheus et le Dédalus, et sur le chemin du retour vers la Terre, le commandant Global et les autres trouvent le moyen de raccorder les deux bâtiments au bras du SDF1. Voilà pour la petite histoire. Voilà donc le SDF1 sous sa forme vaisseau habituelle, avec toutes les armes de départ, et puis les armes que UN Spacey a rajoutées. Alors ce qu'il y a de bien avec ce jouet, c'est qu'il lance des missiles. Moi c'est une fixation, j'aime les jouets qui lancent des missiles. Donc ici, vous levez les deux panneaux, vous allez chercher les missiles, qui sont à l'échelle de l'ensemble. Il me semble avoir personnellement veillé à ce que ces missiles fonctionnent au mieux, donc vous les chargez. Vous pouvez le constater, les missiles sont en pleine forme. Donc, c'est bien d'avoir la version proche de la version originale, c'est-à-dire qui lance des missiles. A partir de là, nous avons procédé à ce que Misa Hayes, alias Lisa Hayes, appelle avec justesse la transformation modulaire. Donc la plupart des jouets vintage sont intéressants à ce propos, c'est qu'ils ont une transformation modulaire, c'est-à-dire que le transformer
ne nécessite pas une modification de la cohésion du jouet. C'est-à-dire que la transformation se fait sans que des parties soient enlevées et ensuite rajoutées. Alors, comme vous allez pouvoir le constater, je referme les trains d'atterrissage. Hop. Je mets les rails canon vers l'arrière. Je retourne le corps. Hop. Je resolidarise la tête. Les bras. Voilà, le Dédalus et le Prométhéus. J'allonge. Une petite sortie de torse histoire d'élargir la silhouette générale. Et nous avons le Storm Attacker Construction. Autre avantage, les missiles, comme d'habitude. Vous pouvez abaisser le rail canon, le mettre en position de tir. Autre chose sympathique, c'est que la boîte inclut des petits fighters, des petites Valkyries et autres avions qui sont développés par l'UN Specie au départ. Notamment celui-ci qui n'est pas censé se transformer, je crois qu'on le voit dans le deuxième ou le troisième épisode de Macross. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des rampes de lancement sur les bras, donc vous mettez la Valkyrie dedans, achat, elle décolle. Voilà le Storm Attacker Construction dans toute sa splendeur. Voilà, bon, une petite précision quand même, je pense que ce jouet est un bootleg Hong Kong, ce qui après tout est un bien puisque c'est ce qui a permis qu'il parvienne dans son intégrité, c'est-à-dire avec les lance-missiles jusqu'ici. Je pense que si on avait eu une distribution officielle de la version américaine, on n'aurait ni les missiles ni le lancement possible des petites Valkyries. Voilà, alors n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Batman a beaucoup piqué à l'univers de Zorro, mais Zorro est inspiré du Mourant Rouge, un roman anglais du début du XXe siècle, un aristo qui sauve des aristos de la guillotine des méchants révolutionnaires français. Mais ce livre est clairement inspiré de Robin des Bois, qui, après des recherches, parce que j'ai fait des recherches sur Internet, est inspiré de, je vais très mal le dire parce que je ne parle pas italien, Ginotto di Tacco, qui, lui, a réellement existé. Donc c'est un grand bandit italien du XIIIe siècle qui ne volait jamais complètement ses victimes. Du coup, il a été considéré comme gentil. Voilà. Enfin bon, genre, je vous tue pas et je vous laisse 2 francs. Alors, ah bon, cool. Enfin, je sais pas, non, c'était pas 2 francs, je suppose, en Italie à l'époque, mais bon. Voilà, l'origine de Batman, c'est un voleur italien du XIIIe siècle. J'aimerais tellement prendre une machine à voyager dans le temps, ou une DeLorean, ou un TARDIS. Enfin, ou un TARDIS, moi, choisir un TARDIS. Et aller voir le mec avec un film ou un comics de Batman et lui dire Hé, mec, c'est toi. Parce qu'un jour, t'as décidé de pas voler tous les bijoux d'une meuf. C'est toi. On regarde Otto. Ça, oui, il y a une meuf aussi. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto, je suis à Japan Expo Belgium, donc c'est en Belgique à Bruxelles, j'aime bien me balader. C'est cool aussi de pouvoir vous emmener dans d'autres endroits que ce magnifique fond rouge que vous voyez d'habitude. Et dans ce Otto d'aujourd'hui, on aura un bon contenu aussi, on aura 2 messages. Tout d'abord le message de Aoi, ensuite le message de Ito, Kashi, qui ont des choses à vous dire là avec leur masque et tout. Et il y aura aussi donc les nouveautés en fin d'émission, mais on commence comme d'habitude, vous le savez, avec les releases. On commence les releases avec l'album Madrigal de Maria du groupe Sally, disponible depuis le 18 octobre en numérique dans toute l'Europe. Depuis le 21 octobre, c'est le nouvel album de Perfume, Level 3. Beaucoup de gens se sont déjà jetés dessus, en même temps pour à peine 15€, on les comprend. Et le 4 novembre, ce sera au tour du dernier album de Gazzetto, Beautiful Deformity, de rejoindre les rayons des magasins. Et pour un prix de CD très français lui aussi. Sinon, il est aussi dispo en numérique depuis le 23 octobre. 2 jours plus tard, le 6 novembre, les fans de TM Revolution vont pouvoir se faire plaisir avec le best-of spécial Anime Song de l'artiste. Geisha Boy devrait sortir dans les boutiques habituelles, vous pouvez aussi le trouver sur le net. On termine avec le nouvel album de Gilgamesh qui sortira le 27 novembre en Europe. Il s'agit de Monster et il devrait normalement sortir aussi en version physique. Oh,
ライフをご覧の皆様、ボンジュール青いです。どうも、はい、イエイ、はい、いや言ってもだけど、はい、はい、フランスでね、はい、はい、日本のビジュアル系バンド、はい、青いが、まあ、次ね、J-TOP さん、J-TOP さん、投票の方をね、青いでもやっていただけたら、はい、僕らはまだ流れるみたいな、そうですね、嬉しいわけ、うん、要するに、青いが好きなら投票しなさいと、そうそうそうそうそう、うん、見たいんだろ、見たいんだろ、かっこいいぞ、投票しろと、はい、まあ、それでね、また来ていただけたら、はい、いやまた僕らもね流れたいじゃないですか、はい、もちろんです、はい、なので、まあ、そういうのを投票を、はい、J-TOP さん、はい、はい、お待ちしております。はい、そんな感じでまたどこかでお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら、さよなら。トーライフ TV をご覧の皆様、僕たちが伊藤歌詞でーす。伊藤歌詞の右大臣こと伊藤歌詞太郎と左大臣ことレフティモンスターです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レフティさん、はい、僕らですね、この前東京カフェで約束した通り、ね、はい、フランスで路上ライブをしに行きたいと思います。シャンゼルゼー。はい、はい、11時半から、はい、カルーゼル橋、カルーゼル、はい、カルーゼル橋ですね。そして15時半からシャンドマルス公園の方でストリートライブさせていただきますんで、やりますよ、はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。これからもですね、フランスの皆さんに僕らのね、楽曲を聴いていただくためにどうしたらいいんですか、ルフィさん。はい、サイトの方でぜひ我々に投票をお願いします。イエーイ、皆様の力が必要です。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、伊藤歌詞の右大臣こと伊藤歌詞太郎と左大臣ことレフティモンスターでした。ありがとうございました。この場所に僕らを連れてきてくれた繋いだ手と手は Oh my god。On est toujours à Japan Expo Belgium et comme vous pouvez le voir, on survole hein, complètement la convention. Nous sommes au-dessus des autres. Et vous savez quel moment c'est dans l'émission ? Oui, tout à fait, c'est quasiment la fin. Donc c'est le moment de regarder les nouveautés qui entrent en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Cette semaine, on retrouve à nouveau un clip du groupe de Visual Kei, Aoi. Cette fois-ci, vous allez découvrir leur clip Kanashi Uta, une chanson triste. Et puisqu'on est dans la tristesse, voici Aitakte Aitakte de Nishino Kana. Elle chante « Je veux te voir » et c'est vrai qu'on n'est pas très joyeux quand quelqu'un nous manque. Vous avez envie de lui dire « Be mine » tout comme Mei Jay parce que vous l'aimez. Vous avez envie de crier votre amour, c'est évident. Et les straighteners, oh là là, on peut dire qu'ils crient fort dans leur chanson « Cinderella Song ». Une chanson où vous ne perdrez pas votre pantoufle de verre, je vous rassure. Mais Moomoon sera là pour vous aider à trouver votre chemin. Et pour cela, vous aurez 15 portes dans leur clip « 15 Doors ». D'ailleurs, il fait super beau dans ce clip. C'est pas du tout le cas de Yume Oni Uta de Dead End. C'est un clip plutôt sombre où une jeune fille danse toute seule. Et toute seule, c'est comme ça que vivent les cute dans la grande ville. Elles nous l'expliquent dans leur chanson Tokai no Hitori Gorashi. Finalement, on est peu de choses sur cette planète, hein. Une toute petite chose vivante, c'est Spitz qui a raison d'Anti, Sana et Kimono. Tout comme des fleurs finalement, on le comprend bien dans le clip Flowers de Yamazaki Masayoshi. On les voit d'ailleurs de toutes petites figurines qui nous incarnent nous, petits êtres que nous sommes. Et enfin, il y aura Girl Next Door avec Silent Scream. Voilà, ce 101% est terminé. Je vous dis à bientôt. Et à bientôt à Nice ce week-end. Je suis en dédicace. Ciao.